Bienvenue dans le 23e épisode. Nous venons de commencer à explorer le temple des abysses de je ne sais plus quoi. Comment il s'appelle ce temple? Ruine des abysses, voilà. Et j'ai déjà réussi à mourir deux fois en quelques minutes. Là, ça a l'air de mieux commencer déjà. Alors ici, j'avais dit priorité tuer les machins là. Ah, on peut tuer avec le grappin. Oh non. Non. Mais c'est trop dur. Pourquoi il pas mourir lui aussi déjà? Non. Non. Oh non! Bon, j'ai découvert que je pouvais les tuer avec le grappin. Déjà, ça va me faciliter un tout petit peu la vie. Faut toujours voir le bon côté des choses. D'accord, ça commence très très fort. Je suis vraiment pas doué. Vraiment rapide. Alors, on va se dépêcher. Non, on va se dépêcher vraiment. Mais pas comme ça. Je suis presque abrité là. Je serais pas contre trouver quelques cœurs là-dedans. Ah, merci. Comment on fait? Ah oui, il faut faire ça. Voilà. Ensuite. On peut presque marcher sur l'eau quand on est au bord des plateformes, en fait. Ok. Prenons le grappin. Yes! Tout ça c'est gentil, mais j'aurais préféré des cœurs. Ah, y en a plus! Plus aucun méchant? D'accord, donc on va juste essayer de ne pas se noyer. Parce que quand je me noie. Du coup, je vais enlever les bottes de Pégase. Quand je me noie, je crois que je perds un cœur et demi. Donc ça serait vraiment dommage. Alors. On peut pas changer d'objet pendant qu'on est en train d'en utiliser un autre. Voilà. Et voilà. Espérons que ça reste sauvegardé. Je crois que oui, puisque les deux torches qui sont tout au sud de cette salle sont restées allumées malgré mes game over. Oulala. Ensuite, faut que j'aille où? J'aille par là? Ça, c'était pas sympa. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, je pense savoir ce que c'est ça. Voilà, ça me donne un accès au début du donjon, donc j'aurai plus besoin de retraverser tout le passage super dur. Parfait. On va aller voir par là. Bon, je sais pas par où faut. Ah oui, j'ai pas encore la carte.
On va déjà finir d'explorer ici, avant toute chose. Aïe! Ah non, j'ai perdu un demi-cœur seulement en me noyant. Je croyais que c'était un cœur et demi. Non, 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 j'ai pas eu. Oulala, oulala, ça c'est le piège. Oh purée. Bon, alors c'est pas très grave. Puisque maintenant qu'on a ouvert cette porte, on peut revenir très facilement. Et là, il y a un cœur. Ok. Alors, je vais retuer les monstres que j'avais déjà réussi à tuer. D'accord. Voilà. Lui, il est pénible. Je vais prendre les bottes de Pégase. Voilà. Ah, d'accord, je suis revenu ici. J'avais déjà vu cette pièce. Un coffre! Ouais, une petite clé! J'ai toujours pas la carte. Donc la petite clé, je peux l'utiliser dans la salle juste en dessous de l'entrée. C'est-à-dire ici. Il m'en faut une autre. D'accord. Bon, on va visiter cette salle. Ok. Là, je peux aller à gauche si je veux, mais il n'y a rien. Il doit y avoir moyen de faire apparaître un coffre, probablement en tuant tous les ennemis. Mais comme je suis en hauteur et que je peux pas sauter, je peux pas tuer les ennemis. Donc je ne peux, à mon avis, rien faire. Ah si, il y avait une astuce. Il n'y a pas une astuce pour pouvoir tomber. Si, si, si. On peut faire ça. Ça peut tirer par les cheveux, je trouve. Bah. Je vais encore mourir. Je suis désolé, j'utilise pas ma potion rouge, mais je préfère la garder pour le boss. Je sens qu'il va me poser des gros problèmes. J'aime pas du tout ces monstres-là. Oh, ça va, depuis ici, j'arriverai à l'avoir. Alors, je suppose que ça m'a créé un coffre. Donc on va y aller par là. Non, pas par là. Oh. Et, ah oui, je voulais aussi aller voir ça. Sauf que là, je vais pas pouvoir passer. Bon. Je sais pas comment obtenir ce crâne. Allons déjà chercher le coffre. On va essayer de pas se noyer. Oui, voilà, faut passer par là, par là. Par là et par là. Ah, la carte. On va revenir ici. Et on va refaire ça pour aller voir les escaliers qui sont en bas. Moins 2. Cool. Où suis-je?
D'accord. Il fallait d'abord atteindre cet interrupteur là-haut. Je sens que ça va être très difficile, que je vais encore mourir. Non, c'est bon, je peux l'avoir. Gagné! Et comment je repars? Ah oui, comme ça. Voilà. Réfléchir à comment le tuer en fait, peut-être comme ça. Oups. Ah, on a un grand grappin quand même, hein. C'est pas mal. Pas d'autres ennemis? Cette pièce me rappelle quelque chose. J'ai l'impression que je suis pas très loin du boss. Oh, attendez, je peux aller par là. Aïe! Pourquoi il tombe? Non, attention! Voilà une bonne chose de faite. Non, toi tu vas pas m'avoir comme ça. Hein. Comment on va en bas? Par là. C'est bon. On a ouvert une porte. Ensuite, comment on rentre à la maison? Par là. Faut refaire le tour. Ah oui, je peux aller par là-haut. Ensuite par là. Ensuite par là. Et par là. Voilà, ensuite on ouvre la porte pour pouvoir revenir plus rapidement par la suite. Encore une nouvelle salle. Bon, bah on a pas trop le choix. On pourrait aller là. Je suis jamais venu là? Non. Un coffre. Sans les palmes, ça va être difficile d'y aller. Puisqu'on ne peut pas s'accrocher au coffre dans ce jeu. Avec le grappin. Ah, je peux aussi aller là-haut. Ouh. Toi, t'as failli m'avoir. Une petite clé. D'accord. Ah, les objets, ils reviennent jamais, hein. Bien. Toi, tu vas encore me poser des problèmes. Ah.
j'arrive plus à passer. Je suis passé dans un sens, j'arrive plus à passer dans l'autre sens. Tiens, yes. Cool, un cœur. Oulala, que c'est vaste. Toutes ces salles se ressemblent. Non. Ah, attention là. C'est un peu dangereux. Si lui, je devrais pouvoir le tuer. Il m'a eu quand même. On a encore un... Ah, il est là. Ok, j'ai ouvert une porte vers une... depuis une salle que j'avais déjà visitée. Alors, je vais déjà aller chercher le coffre. Je reviendrai après. Je vais quand même vérifier. J'ai tout vu par ici. Ouais, c'est bon. Faudrait juste pas mourir entre temps. Je suis pas doué! Oh là là, faut tout refaire. Maintenant que je suis là, je vais en profiter pour aller visiter cette salle. En fait, c'est la même. Non, c'est pas la même. Pas du tout la même. Mais j'avais pas encore visité la dernière fois. Ok, donc je ne peux rien faire. Voilà, bah au moins j'ai la réponse. Il fallait bien continuer vers là où j'étais. Oula. Je ne maîtrise pas les bottes de Pégase. Ah, attendez, il y a une porte verrouillée. Profitons-en. Ah! D'accord, je suis revenu dans cette salle. Bon, allez, on va visiter ce qui se passe par là. Porte du boss. Bon, j'ai bien fait de venir puisque j'ai ouvert une porte. Je me serais retrouvé bloqué de toute façon. Si j'étais pas allé là. Bon, ensuite je reviens là. Je peux rien faire de plus. Allez, on revient en arrière. Et on va essayer de retourner là où on est mort. C'est par où déjà? Oui. Fallait y aller par là. Ah mais faut faire tout le tour. Mince. C'est par là? Oui, c'est par là.
Donc nous avions ouvert, avant de mourir, une porte qui nous donnait accès à un coffre. Et, oups. J'aimerais bien obtenir ce coffre. C'était là, non? Non. Non, c'était pas là, c'était là. Pas du tout. Rien à voir. C'était un petit peu plus loin en fait. Non. C'était un petit peu après cet escalier. Ah ah, c'était là. La boussole. Ok, bon ben on progresse. On a déjà visité beaucoup de salles. On va s'arrêter là pour cette vidéo, puisque ça fait à peu près 20 minutes. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi, et à bientôt pour l'épisode numéro, je sais plus combien, 23 peut-être. Ciao.